j'avais l'habitude de prendre une tartare. Oh les mecs, c'est beaucoup trop intime ça. 8h08, touche ton nez, danse des pieds, ce que tu veux, moi je vais à la douche. Faut plus dormir la nuit. Allez, tiens. Oh la gueule, on dirait que je sors de prison là ou quoi? Je suis en congé, aujourd'hui je ne travaille pas, je ne fais rien, ne m'appelez pas. J'ai même pas envie de parler fort quoi. Allez, il est 8h15, on se brosse les dents. On mange des petits lus, on boit un truc, on charge, on va chercher de l'essence. Et puis après, on va faire ce que la journée démarre. Mais tous les jours, ça commence par une bonne douche, brossage de dents, et puis on y va quoi. On attaque. Et là, on attaque souvent entre 8h et 9h. Petit brossage. Les amis, avant que cette vidéo commence, vous êtes habitués à parler du sponsor de cette vidéo, Car Vertical, les amis. À quoi ça sert? Tout simplement, ça vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture. Je vous mets un exemple juste ici d'une voiture d'un abonné. Donc d'ailleurs, si vous voulez vérifier votre moto ou votre voiture, mettez votre plaque en description et il y a moyen que vous soyez tiré pour la prochaine vidéo. Donc ça va nous permettre de voir si le véhicule a été volé, si le kilométrage a été trafiqué et si le véhicule a été endommagé. Là, c'est la majeure partie des cas sur tous les véhicules. Donc là, on voit que sur cette 207, on a tout simplement une falsification du kilométrage. Donc on est passé de 50 000 à 35 000, puis 109 000. Donc au final, elle a 150 000 et au final, elle est vendue comme une voiture à 110 000 km. On peut aussi voir sur ce véhicule, grâce à un Car Vertical, que vous avez des données. Donc là, il y a eu 2 dommages sur un véhicule. Bon, c'est pas des dommages très importants, mais des fois, quand c'est vraiment des voitures épaves, je vous mets des exemples à l'écran, bah, vous avez tout simplement une photo des dommages. Juste pour préciser, vous avez une promotion avec le code Léonade, les amis, et il est en description. Vous cliquez directement sur le lien, ça va être appliqué. Et puis, vous pouvez bénéficier du rapport pour vérifier votre voiture ou votre moto avant l'achat ou la vente, c'est très important. On se retrouve pour la vidéo, c'est parti. Bon, ça y est les mecs, on est passé à la vraie cam. Attends, on enlève ça vite fait, les droits d'auteur là quand même, tu vois, sinon je pourrais pas avoir mon McDo grâce à la vidéo. Bon les amis, je suis réveillé, ça y est, je peux vous parler. Il est 8h34 à ma montre. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? C'est vrai, aujourd'hui les amis, on va passer 24 heures dans ma vie, dans ma peau de jeune brigand. Vous allez voir ce qu'on va faire. Aujourd'hui je suis en congé, aujourd'hui je ne travaille pas. C'est... voilà, pour ceux qui voulaient savoir un petit peu ma vie, qu'est-ce que je fais en ce moment. Je finis mes études, il me reste 10 mois d'études et après on a fini le BTS. Pour ceux qui voudraient savoir, je suis un BTS. Donc voilà, et puis en alternance d'ailleurs. Je raconte un peu ma vie, pour les abonnés qui sont fidèles à la chaîne, ils doivent déjà le savoir. Donc voilà, donc en fait quand t'es en alternance, t'as le droit à des jours de congé comme un salarié classique. Et moi je suis le seul teubé qui a pas pris ses jours de congé. Donc j'ai oublié de les prendre. En gros j'étais trop en retard pour les placer. Du coup ça fait un an et demi que j'ai pas eu de congé. Là c'est mon premier jour de congé. Et j'ai décidé de pas prendre des semaines, j'ai décidé de prendre des jours. Alors est-ce que ça va me tuer sur cette année? On verra bien. En tout cas aujourd'hui on a la caméra, on va passer une petite journée avec moi. Donc aujourd'hui on a pas mal de choses à faire. Ce matin on aurait pu décider de se reposer, mais on va aller rouler un petit peu. Puis voilà, la direction la pompe parce que j'ai... normalement ça à chaque fois je le fais avant de partir. Mais là hier j'avais trop la flemme, j'étais trop fatigué. Du coup je suis pas allé, du coup on y va ce matin. Et puis on se retrouve à la pompe, on va mettre le plein dans le bidon. Et ensuite on va chercher mon collègue et on s'en va rouler. Vous allez voir, vous allez me suivre un petit peu dans la journée. J'ai pris des petites caméras, on va faire des petits plans à la GoPro, à la caméra, à la webcam. Là on est dans le camion. Oh non, tout qui bouge, oh c'est horrible. Dites-vous, qui a ce problème là? T'as un camion, t'as de la place à mourir. Mais non, t'as toujours du matos qui vient devant. Ça me gave ça un petit peu ça. Bon du coup les amis, bonne vidéo à tous. Dites-moi ce que vous en pensez, ce genre de format. C'est vrai qu'on en fait pas souvent. Est-ce que tes caméras au volant c'est comme téléphone au volant, c'est pareil? Bon allez, sur ce, moi je go à la pompe. On y va, c'est parti. Et puis ensuite, direction le circuit. Allez les amis, ciao! Quelle heure est-il? 8h48, les amis. Je devais aller chercher mon petit collègue là. Bon, il a décidé de prendre son camtar. Du coup, bah, on se rejoint direct au circuit. Ce qui est pépite, c'est que le circuit est à, allez, 10 minutes de la maison à peine. Donc ça, franchement, c'est un bonheur parce que t'es pas obligé de te lever tôt pour aller rouler. Ça, c'est pas mal. Puis en vrai, si t'as oublié un truc ou quoi, t'as vite fait de faire un aller-retour. Plutôt que d'être bloqué là-bas sans un truc ou quoi. Donc voilà, là, on se dirige tout droit vers le circuit, c'est parti. Mais sinon voilà, journée type, c'est pas comme ça sinon.
Souvent je me réveille pareil entre 8h et 9h, ça dépend de ce que j'ai fait la veille, si je travaille un petit peu tard le soir, parce que ça m'arrive quand même. Tu vois, hier j'ai fait la vidéo, je sais pas quand vous voyez celle-là, mais hier j'ai fini de monter la vidéo du scooter Domino's Pizza à 1h30 du matin. Et aujourd'hui au réveil à 8h, ça piquait un petit peu, tu vois. Et voilà. Sur ce, on y va, on trouve directement là-bas, je vais pas vous filmer la route parce qu'il n'y en a pas. Et hop, allez, ça y est, on est arrivé. 8h53 pour un tour, on est arrivé. Donc là, on va tout simplement aller sur la piste, on décharge, ensuite on va signer à la paperasse et puis payer. Ensuite, on va rouler. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde, on vient en pleine semaine comme ça. Le week-end, c'est quand même plein de pilotes. Ah, je voyais déjà quelques voitures. On va voir, hein, un petit mercredi comme ça. Mercredi quoi? Mercredi 6. Ouais, c'est ça, mercredi 6. Oh oui, je suis tout seul, parc pilote vide. Parc pilote vide. Je répète, parc pilote vide. On a le circuit pour nous. Enfin, du moins après, j'ai envie de te dire, il est 8h54. Hein, les gens, ils arrivent plus après. On va se mettre à quai. Et puis, je vous montre dès qu'on est installé. 56. Et là, là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et là, on y va. Hein. On y va. Et puis, chaud patate. Y'a personne. Y'a personne, c'est calme, c'est vide. Mais c'est ça qui est bon. J'hésite quand même à aller faire un petit aller-retour pour aller chercher une tente. Parce que là, sinon, on va cramer au soleil. Quand je vous dis qu'on va cramer, on va cramer. Parce que de base, mon plan, c'était de me mettre en dessous. Mais bon, y'a pas d'ombre. Donc là, là, je suis hésitant, là. Ça y est. Première galère, je savais que c'était trop beau pour être vrai, que j'avais oublié quelque chose. Du coup, de une, j'ai oublié la tente, de deux, j'ai oublié mes chaussures. Donc là, je suis dans mon sac et je vois que j'ai pas mes chaussures. Donc bon, bah on referme tout, puis on va chercher les chaussures, hein. Y a pas le choix. Je sais pas pourquoi, mais je trouve mieux de tout filmer à l'iPhone plutôt que la caméra. Je comprends pas pourquoi vraiment. Dites-moi, mais moi je préfère carrément. Je trouve pas forcément que le rendu est mieux, mais que ce qui est chiant, après, c'est que mon iPhone il est plein, donc je peux pas trop tout vous filmer. Hop. J'ai mon collègue qui devrait arriver, il va pas tarder. Hop, hop, hop. Et là, là, on est full. Là, on est full. Là, ça va ouater, on est plein. Ah oui. Point chrono, 9h40. Payé, ça va aller rouler. Et soit dans 20 minutes, tout est cassé. Dans 20 minutes, on revient, tout est cassé. Ou soit, ça va. Bon, j'ai oublié mes pompes. Et j'ai oublié ma tente. Et il fait chaud. Il fait super chaud. Super chaud. On va aller voir, c'est parti. Pas grand monde. Hein. Merde. C'est parti, on va rouler, équipé. Allez, c'est parti, 10h30. 11h plus. Il est 10h33. Ah merde, ma boîte à air! Oh merde! Oh merde, ça faut pas qu'il y ait de la merde qui se mette dedans. On va rouler comme ça pour rentrer. On va y mettre une 2. Je disais bien qu'il y avait un truc qui allait pas. Eh ben, c'est pratique pour rouler ça si tu l'as pas. Ah, c'est pas possible. Bon les amis, c'est bon, on est parti. Normalement tous les problèmes sont réglés, on va essayer de faire chauffer ça quand même. Bon, même si c'est chaud, putain, toute la gomme là. T'as pas intérêt à te manger l'extérieur, hein. Chacun sa technique, moi j'en essaye plusieurs.
waouh, c'est dur. T'as dit quoi? Oh putain, c'est dur. Oh, c'est dur. Bon les amis, à deux doigts du coma. Heureusement qu'il y avait de l'eau. De l'eau bien fraîche. Ah, c'est dur de faire un 24 heures et en filmant, en roulant et toutes les activités. Santé. Ah là, Lucas, il va essayer le carte à boîte. Allez, bien sûr. Imagine, tu fais de l'endurance sous cette température. Imagine, impossible. En vrai, l'été, on n'en a pas eu un bon. Et puis là, rentrée, en vrai, là, il n'y a pas un nuage. Il fait au moins 35. Ah, là, au soleil, bah, il fait au moins genre 28, 25. 10, 24. Hein. 24. 24 ressenti 36. C'est abusé. Et puis là, avec la combi anti-feu, il fait super chaud. L'eau, elle régale. Du coup, je suis obligé de rouler avec mon casque de moto parce qu'il y a l'intercom, on voulait parler, ça fonctionne pas. Non. Sinon, j'ai mon petit casque pour le kart qui laisse rentrer plus d'air, du coup, c'est mieux. Du coup, là, je vais vous filmer, comme Lucas va rouler avec mon kart, je vais vous le filmer là sur la ligne droite pour que vous voyez quand on accélère, qu'est-ce que ça donne. Allez, en route. Ah là, il fait trop chaud, moi je me remets à l'ombre direct. C'est horrible. Bon, c'est ça qui est bien de s'entraîner la semaine, c'est que du coup il n'y a personne. La piste elle est vide. Un passage dans la ligne droite, après je vais me mettre dans le virage. Moi j'ai jamais roulé avec ce kart là, c'était ma première fois aujourd'hui. Bah je me rends compte qu'il faut travailler le cardio hein, parce que c'est physique, énormément physique. Ah c'est trop physique. Il nous a fait ça bien là. Bah, il va être bien là dans l'herbe. Alors comment dire, j'étais un peu... Débrief GP Explorer. C'est chaud. Par contre t'es allongé dans ton truc. Hein. Bah ouais. Moi je suis mal assis. Mais lui, t'es plus, je sais pas, il tourne trop vite pour le KZ, je crois. Bon les mecs, point actu, il est 13h57. Il est 13h quoi. Non, il est 13h, il est même pas 14h. Vous voyez ma dégaine, c'est fini, je suis rincé. Rincé, tiré, rincé. On a bien roulé. C'était bien fatigant. Maintenant, on rentre et vous allez voir qu'est-ce qu'on mange avec moi. Bon, c'est très bidon, c'est très simple, mais ça fait le taf. Et là, on va pas oublier d'aller prendre une petite douchette quand même. Bon allez, on se retrouve à la maison, vous allez voir, on a 10 minutes de route, même pas. Bienvenue chez nous. Bonjour. Pour vous les enfants, pour voir un film, 4000 DVD, c'est quand même mieux que ça. Les réseaux sociaux, si c'est pour lire la vie de tout le monde, et regarder des... La sauce que j'ai, c'est pas incroyable là. 13h30 les amis, petite pause et d'ici 45 minutes, 1 heure, on va aller partir faire les magasins. Alors jamais je fais les magasins, hein, mais c'est juste que là j'ai plus de vêtements. Du coup pour éviter de se balader à poil et sachant que la rentrée c'est demain, bah c'est parti. J'ai arrêté à midi. Tu veux faire un pour mon vlog? Alors là, bah là on est allé au Buffalo et là on roule. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about to lose.